Le prix CAS a été décerné aujourd'hui à Elisabeth Gilles pour le Mirador aux presses de la Renaissance. Le prix littéraire qui arrive après les autres a été créé en 1935 par l'un des pères de la célèbre brasserie Lippe, Marcelin CAS. Annick Coterlaz et Christian Fienga. En fait, c'est très amusant parce que Marcelin CAS est un de ces nombreux Auvergnats qui ont fait tous les cafés, les restaurants de la capitale. Il était très peu à l'école, donc il savait à peine lire et à peine écrire. Et pour lui, le fait de faire un prix littéraire où beaucoup de gens très connus, c'était pour lui une espèce d'entrée de réussite sociale finalement, et une entrée d'une manière un petit peu spéciale dans le monde de la littérature. Ce patron de brasserie qui crée un prix littéraire en 1935 a surtout réussi à donner de véritables lettres de noblesse à son établissement. Lippe, devenu le restaurant où l'on cause, au lieu des déjeuners politiques, des dîners littéraires et des mondanités parisiennes. Ainsi, après avoir délibéré de l'excellente tenue littéraire de l'œuvre choisie, et après avoir couronné les années passées Cavana, Michel de Grèce et Edgar Faure, c'est un premier roman qui récolte aujourd'hui moult louanges, quelque argent, ainsi qu'une table ouverte pour 5000 francs à la brasserie Lippe. Je suis vraiment très touchée d'avoir eu ce prix, très touchée parce que c'est un endroit qui est plein de l'ombre d'un tas d'écrivains que j'admire et qui sont passés avant moi. J'espère qu'on lira toujours littérature et gastronomie. Les écrivains ont toujours été des gens qui aimaient beaucoup manger, avec juste raison, les éditeurs aussi. Avec le prix CAS 92 sous le bras, au demeurant un beau et émouvant roman, à vous maintenant d'aller croiser la fourchette avec le Tout Paris, que ce soit ici au Paradis, la meilleure salle, ou au premier étage, en enfer, au dire des habitués qui veulent ici voir et être vus.